لا وكفى سلام على عباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا محبين لك مطلقا وابدا. اللهم اجعلنا في حضرتك لا نغيب عنها ولو مجرد نانو ثانية. ربنا اهدنا وراجعنا واجعلنا من خير من سعت بقدم نحو رضاك. اللهم بارك لنا مخيلتنا وخطابنا وإشاراتنا وكن رفيقا بنا في دنيانا وأخرانا. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات ورحمة. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons étudier les sept premiers versets du chapitre L'homme, Al-Insan, de Mal. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. صدق الله العظيم. Oui, il donne d'autres caractéristiques, comment on fait pour que les êtres vivants autour de nous ne soient pas dans le besoin de nourriture ou de sécurité ou de boisson, etc. Quel que soit notre état, même si on est en état de jeûne, comme l'a fait Ali et que l'a fait de la société et Fatma, son épouse, que l'a fait la paix de la société, durant trois jours consécutifs, en faisant le vœu auprès d'Allah de faire trois jours de jeûne pour que leur fils soit promptement rétabli. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا. C'est-à-dire Dieu il dit il y a eu un certain laps de temps où l'homme n'est pas encore créé, ou bien l'individu il n'a pas été conçu, puis porté au sein de sa mère, dans la vie intra-utérine, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de peu de considération pour l'homme avant sa création de la part de Dieu. Et avant sa conception intra-utérine, etc., etc. Donc, cet être-là, il n'a pas de valeur tant qu'il n'existe pas, tant qu'il ne se manifeste pas, tant qu'il ne se différencie pas par une haute morale, par des bonnes aptitudes, etc., pour faire le bien. هل أتى على الإنسان حين. Et puis ce verset-là attire l'attention aux sciences humaines et aux biologiques pour jeter une lumière sur les secrets de l'homme donc, durant toutes les étapes de sa vie. Et puis après le trépas. Vous voyez, maintenant, il est bien considéré parce qu'il y a maintenant une multiplication du nombre des sciences. Même n'importe quel petit problème organique
Maintenant, il a ses spécialités, pas sa spécialité, ses spécialités. Et regardez bien les types de thérapies nouvelles, le type d'abord diagnostique, le type d'approche psychothérapique, type sociothérapique, etc., etc. Tout ça, ce dossier-là, il a un lien entre ce qu'on voit maintenant comme une mutation des sciences, une prolifération des tendances théoriques, expérimentales, etc. هل أنت على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن ستجيب إلى كريلو إن خلق الإنسان من نطفة الأمشاج صديق أبارتير لم تسبر كي نبال ولو أو تو ديبو في كم سلمو فرسون يدون الولو أرو كي كونتين دي ميستير دي مليار دي سكر إن خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج سي ست غوت سبيرم elle est faite par des composantes multiples diverses qui se tiennent les unes aux autres إن خلق الإنسان من نطفة الأمشاج نوعي لا نصن دي ميلونج سي pour attirer l'attention sur la diversité des organismes, la diversité des biologies, la diversité des skills, en anglais on dit, c'est-à-dire les facultés, les capacités. C'est-à-dire Dieu, il nous éprouve, il nous teste, il nous met à l'épreuve pour ou bien gagner notre vie, pour aller vers un séjour éternellement bon, délicieux, pur, où il n'y a pas de soucis, où il n'y a pas de peur, où il n'y a pas d'affliction, où il n'y a pas de regret, etc. etc. Nathalie, donc, nous sommes éprouvés, et Dieu dit dans un autre verset, ah, si maintenant soit nul, tu vas quoi, il y a quoi, et maintenant, on vient de dire, c'est-à-dire, est-ce que les gens croient que Dieu les a comment dirais-je créé, mais il les a laissés sans être testé. Jamais d'avis. Tout être humain, tout être unique doit passer par l'épreuve. Vous voyez que l'islam est sérieux. Il ne dit que ce qui est réel. Il ne, comment dirais-je, il ne s'éloigne pas de la réalité. Il nous met au cœur de la réalité. Donc, c'est pourquoi je fais ce travail-là des vidéos pour vous montrer certains aspects du Coran qui nous explique le réel, qui nous découvre les mystères de la création, etc. et qui nous met à l'épreuve pour bien choisir sa voie, pour bien se conduire, pour bien s'améliorer, etc. Le Coran, il est fait. C'est pourquoi j'utilise la coranothérapie et j'ai beaucoup de bonnes fins de plusieurs soucis, de plusieurs problèmes, de plusieurs souffrances par le biais du Coran. Donc je mets toute ma force et toute mon intelligence au service des malades et de leur famille et de leur milieu. Tant que je fais ça, je le fais en bonne connaissance de cause. Parce que je suis bien au courant de l'aspect positif de la coranothérapie. Donc je n'utilise pas beaucoup la chimiothérapie, l'allothérapie, parce que même la phytothérapie, je n'ai pas besoin de ça. Sauf lorsqu'on a la même force. Lorsque le malade ou sa famille, montre une résistance à la notion de la coronothérapie.
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميع بصير. Et pourquoi Dieu nous éprouve? Parce qu'il nous a doté des organes de sens, d'entendement, de raisonnement, d'extrapolation, de comparaison, etc. Nous avons beaucoup d'aptitudes pour bien choisir, pour bien aller dans le bon cheminement, etc. فَجْعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Vous voyez, il y a deux noms qui sont généralement deux parmi les 99 mots attributs de Dieu. Dieu, il est Sami ou Basir. Et Dieu a voulu nous montrer que l'homme, il peut être en contact avec Dieu par le biais de ses aptitudes, ses facultés, ses pouvoirs, son imagination. Son sens esthétique, son sens éthique, etc. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. C'est-à-dire Dieu nous a montré la bonne voie du salut. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ. La bonne et la mauvaise. Il y a donc une binarité et Dieu a voulu que toute création soit caractérisé par une binarité. Par exemple, dans l'électricité, il y a le magnétisme, pôle nord, pôle sud. Dans l'électricité, il y a le neutron, il y a l'électron, il y a le proton. Dans l'attraction, il y a la répulsion, on va face à elle. Face à la force, il y a la faiblesse. Face à la mémoire, il y a l'oubli, etc. Donc vous voyez que l'islam il est venu pour nous montrer que vraiment dans toute la création il y a la bipolarité. Il est reconnaissant vis-à-vis de Dieu, parce que Dieu nous a donné tout. Nous a donné ses faveurs, il nous a montré sa force, sa miséricorde, son unicité, etc. Et là, vous savez, il a dit, il est ingrat, parce qu'il est négateur, il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, donc il tombe dans le paganisme et le polythéisme. Et donc Dieu nous rappelle qu'il a préparé aux ingrats, c'est-à-dire aux mécréants, aux infidèles, il a préparé pour eux des chaînes. Et donc le verset dit beaucoup de choses dans la description de ces chaînes-là, longueur, lourdeur, etc. وغلالا يدي كركو وسعيرا يدي فورناس سادير لونفر ان الابرار سادير لي جون كي ساف اتر دي ميزيومون دو لا بيتي دو لا ديفوسيون دو لا سيرفيتود ا ديو سادير اون اي دي سيرفيتور بور كو سيت ريجون لا سوا بيان كونو سوا بيان اكسبليكي pour que lorsque quelqu'un veut la conversion, on lui facilite la tâche. Et le Abraham a dit, donc il boit par le biais des verres ou par des bouteilles aussi. Une caisse, une canne à misère de la Kaboura. Et ce verre-là ou cette bouteille-là contient un liquide où il y a, c'est-à-dire le vin ici, où il y a un mélange avec le coffre. Or, chez les Arabes, le coffre, c'est le symbole de la pureté, c'est le symbole de la blancheur, etc. Vous voyez, la blancheur, c'est-à-dire quelque chose de bon à voir. Regardez bien une zone couverte de neige et vous allez comprendre le kafourisme. Aïnan, c'est-à-dire une source de vin,
عين يشرب يا عباد الله في الدنيا في اليوم صدير يبقى في ست شخص لا يكون لمن يكون pour accélérer le jaillissement ou bien le ralentir etc. يوفون بالنظر donc il prend tout ce qu'ils ont fait comme vœu devant Dieu يوفون بالنظر ويخافون يوما et puis ils sont dans la crainte d'un jour où le mal il est partout, c'est-à-dire il se répand dans tous les coins de la gêne, et, ou bien avant la fin de cette vie terrestre, il y a beaucoup de mal comme on vient de vivre maintenant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.